Soif, j'ai envie d'une boisson. Je vais boire ce coca rapidement et ensuite aller en cours. Je vais le prendre avec moi. Oh non, je ne peux pas entrer avec une boisson ou de la nourriture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir la mettre dans mon sac. Attends une minute. Un crayon? Un cahier tout mouillé? Mon cahier? Mon coca? Quelle mauvaise idée! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus besoin de ça! Waouh! Quelle prise! C'est un déchet étrange. Peut-être que je peux utiliser cette bouteille. Ça fera l'affaire. Prends une bouteille vide et coupe le dessus. Place le haut de la bouteille sur une canette de coca. Une canette de coca avec un bouchon à vis pour ne pas que ça se renverse sur mes livres. Je vais pas être en retard. Qu'est-ce que tu fais, Sophia? Oh, trop mignon. Ouf. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as cambriolé la bibliothèque? J'essaie juste de réviser le contrôle de demain. J'avais complètement oublié. Je suis trop nulle. Ne dis pas ça, il y a encore de l'espoir. Hé! Qu'est-ce que tu fais à mes lunettes? Tiens, est-ce que tu vois la solution? Oui! Tu n'es pas doté d'une vision à rayon X? Cette astuce va te sauver la mise. Car avec des verres rouges, tu ne peux pas voir l'encre rouge sur le papier. Pourquoi réviser quand on a ces lunettes-là? Merci, Eva! Hein? Quel est ce genre de lunettes? Tu essayes de lancer une nouvelle mode? Fais-moi voir ce qu'elles ont de spécial. Ça fait beaucoup de rouge. Ok. Pfff. Et retour au travail. Vos résultats d'examen. C'est une blague? Je peux peut-être le changer? Ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je vais faire? Un F. Peut-être que je peux l'enlever en grattant. C'est bête. Ok, réfléchis. Ah, j'ai trouvé. J'ai juste besoin de ce pistolet à colle et d'un bâton de colle. Je vais mettre de la colle au bout, puis je pose sur l'encre pendant quelques secondes. Et ça part tout seul. Je suis un génie. Enfin, peut-être pas. Et à présent, je peux mettre une nouvelle note. Je mérite un A. Regarde ça. Tu es si intelligente et frimeuse. Donne-moi les réponses la prochaine fois. Très bien, les jeunes! Quelqu'un veut-il résoudre ce problème? Non, pas moi! Voyons, Nina! Je savais que j'aurais dû réviser! Faites-nous don d'un peu de votre génie! Ok. Je déteste les pourcentages! Mais je connais un petit truc! Je multiplie 2 par 8. Et 5 fois 3 font 15. Il en reste un. C'est 63. Ne vous embêtez pas à vérifier, elle a raison. C'est une sorcière des mathématiques. Elle se croit intelligente, hein? Je peux retourner à ma place. Mon ruban adhésif est prêt à être utilisé. Je vais en mettre ici. Je vais continuer mon dessin. Waouh, c'est pas si facile. Je vais prendre cette couleur. Attention, je ne dois pas rater ma ligne. Mais ce que je fais est horrible. Hé, le ruban adhésif de papy me donne une idée. Je t'emprunte ça une seconde, papy.
Allez, je prends un morceau de ruban, je place mes feutres dessus. Et maintenant, je replie le ruban par-dessus. Yeah! Le résultat va être génial! Je vais faire un bel arc-en-ciel! Ça a marché! Je suis un génie! Waouh! Bon travail! Et si on essayait avec encore plus de feutres? Ah ah! Il y en a plein! On va faire un arc-en-ciel géant! Tu es bien sûr de toi? Il n'y a rien de moins sûr que là, fiston! C'est parti! Voyons ce que ça donne! Qui a dit qu'un arc-en-ciel devait forcément être en forme d'arc? Je vais passer par ici et repasser par là. Puis je remonte de ce pied. Et je finis au point de départ. Waouh! Et voilà! Regarde ce que ça donne! On dirait un oiseau! Waouh! Je connais celle-là. J'ai trouvé. Hein? Super, mon crayon est cassé. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Il faut être discret. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Jalouse? Oh oui, ça fait du bien. Hein? Ok, c'est bizarre. Peu importe. Où j'ai mis mon taille-crayon? Non, rien là-dessous. Oh, juste plein de chewing-gum dégueu. Qu'est-ce que je vais faire? Aïe! Il y a quelque chose dans ma chaussure. C'est quoi ça? Mon taille-crayon! Je savais que je l'avais mis en sécurité. Est-ce que cette odeur vient de mes baskets? Oh, ça sent mauvais! Au moins, j'ai mon taille-crayon. Attends, ça me donne une idée. J'ai juste besoin d'un chewing-gum. Parfait, ça pourrait vraiment marcher. Je vais mettre le chewing-gum sur ma bague, puis y coller mon taille-crayon. Je ne le perdrai plus jamais. Nana! Waouh! Trop à la mode! C'est tellement pratique. Maintenant, je peux finir mes devoirs. Attends, tu savais qu'on avait un examen? Psst! Qui est le mec bizarre? J'ai ce dont vous avez besoin. Maths, anglais, plusieurs choix. Tu m'as convaincue. Effectue d'abord le paiement. Évidemment. Laisse-moi voir ce que j'ai. Je pense que cela sera suffisant. Et voilà, à la mode et avec toutes les réponses. Waouh, c'est incroyable. Merci. Encore un client satisfait. Bonjour. Tu peux m'aider? Avec ton style, je ne peux pas faire de miracle. C'est tellement chouette. C'est la gomme la plus intelligente du marché. C'est mieux que d'étudier. Je dois acheter les réponses. Il doit y avoir quelques bonbons. Ceci ne va pas me donner grand-chose. Excusez-moi, qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Ha! Tu te moques de moi? Va-t'en! Rouleau ninja pour m'échapper d'ici. Marche plutôt. Super, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends, ça me donne une idée. Cela vaut la peine d'essayer. Je vais placer mon étui sur l'écran. Je peux faire défiler les réponses. Maintenant, je suis prête. Il n'y aura pas de tricherie. Pas dans ma classe. Je ferais mieux de cacher ça. Voyons ce que dit le scanner de triche. Ce n'est pas beau. J'en étais sûre. Tricher en utilisant une gomme? Je suis dégoûtée. Je dois faire ça à chaque examen. Et qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne peut battre le scanner de triche. Utilisez un chapeau pour cacher les réponses. Oh, grillé! Ça se passe bien jusqu'à présent. Oh, la prof arrive. Je suis sûre que je vais trouver des preuves de triche. S'il te plaît, ne bipe pas. Hein? Il doit être cassé. Pas de triche ici, madame. Une si gentille fille. Oh, je laisse tomber. Je suppose que vous avez révisé. C'est ce qu'on va voir. Ça a l'air difficile. Parle pour toi, Nina. Tu fais quoi, là? La garce. Je crois que je suis seule pour le coup. Je ne comprends rien à ce que je lis. Oups, qui sait? Ne bougez pas, les enfants, je reviens. Oui,
il est parti. Profitons-en pour chercher des réponses. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti comme ça. Heureusement pour moi, j'ai mis une jupe aujourd'hui. Ça s'efface bien, hein? Ça devrait le faire. Si seulement j'avais un pull ou autre chose. Saleté de mini-jupe. Ça va se voir. Je sais, je n'ai qu'à utiliser du maquillage. Prenons ce fond de teint. Il faut quand même que je puisse lire. Reprenons cet interro. Trop facile. Moi aussi je t'aime, maman. Ah, il ne se doute de rien. Ça va me valoir un A+. On ne voit rien, n'est-ce pas? Ça sert à quoi de réviser quand on peut tricher? J'ai fini! T'as vraiment fait vite, Nina. Ok, je retiens 2. 14? J'ai besoin de sucre. Ouais, je vais dire 14. Ouh, c'est peut-être 15? Ces problèmes sont vraiment compliqués. Il me faut peut-être juste un peu plus de sucre. Réfléchis, Sophia, réfléchis. Hein? Je ne suis pas une chèvre. Il y a forcément un meilleur moyen de manger ça. En fait... Oh oui! Mon cerveau fonctionne à 1000 à l'heure maintenant! Prends ton bonbon et glisse-le dans ta perforatrice. Voilà! Maintenant que tu as un trou, passe un peu de fil dedans et rassemble-les. Voilà, un marque-page en bonbon. Passe un peu de fil dedans. Ça me donnera plus envie de lire. Je suis super prête pour aujourd'hui. Coucou, joli marque-page. Où est-ce que tu as trouvé ça? Wow. Je n'ai pas pu attendre une seconde de plus. Oui, on est 100% concentrés. Je l'ai eu! Tu n'as rien vu! Je devrais me mettre à les vendre. Enfin, je dis ça comme ça. L'espace est infini! Oh, je devrais me remaquiller. Le prof est juste là! Il va confisquer tout ton maquillage! Comme s'il voyait quelque chose avec ses lunettes. Qu'est-ce que c'est? Du maquillage? Nettoyons ses lunettes. Oh, c'est bien ça. C'est interdit. Pas de maquillage dans ma classe. Vous, jeune fille, le maquillage est interdit en classe. Donnez-le-moi et sortez d'ici. Incroyable! D'accord! Je l'avais prévenu! Oh, j'y crois pas! Le prof du siècle? Ouais, c'est ça! C'est parce qu'il a lui-même un siècle! Je vais lui donner une leçon! Ça lui va mieux comme ça! Oh, ça me donne une idée! Je vais juste prendre ce feutre et ouvrir le bout. Je prends ensuite une pince à épiler pour retirer l'encre. Et maintenant, je remets l'embout. Et maintenant, je découvre la pointe du feutre. Et je la retire aussi. Maintenant, j'ai besoin de mon gloss et d'un bol. Je verse tout dans un bol. J'en aspire un peu dans une seringue. Ça devrait suffire. Maintenant, je mets le gloss dans le feutre. Et voilà! Je prends l'applicateur et je le coupe d'un coup sec. Heureusement que j'ai ce flacon de colle à ongles. Je badigeonne le bout coupé. Voilà, comme ça! Et je colle le bouchon par-dessus. Voilà, c'est sec! Je n'ai plus qu'à le mettre dans le tube. Je vais me mettre du gloss. J'adore l'odeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore avoir des problèmes.
Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça? C'est juste un feutre, monsieur! C'est autorisé en classe? Oh oui, oui! On papote un peu avant les cours, n'est-ce pas? Ce plaisir est sur le point de s'arrêter net. J'espère que vous êtes bien reposées, mesdames. Parce qu'on fait un test surprise. Ça a l'air cool, non? Vous avez 25 minutes. Commencez! Je ne sais même pas par où commencer. Concentrez-vous, les filles. Allô? Est-ce qu'il s'en va? Oui! Il est presque sorti de la pièce. Et boum! Nous sommes seuls! Je vais essayer de trouver les réponses. Et moi, je vais surveiller. Je ne peux pas mémoriser tout ça! Mais je peux l'écrire vite fait. Tu vois cette petite bande de papier? Elle va nous sauver la mise aujourd'hui. C'est toujours bon. Oh non! Je n'ai pas mis de manches longues! Mais j'ai les cheveux longs. Et oui, c'est la longueur parfaite. Tu vois cet adhésif double face? Place-le derrière la bande. Coupe-la du rouleau. Puis retire l'autre partie. J'espère que ces réponses vont coller. Colle-les vite sur ta tresse. N'oublie pas de la retourner. Alerte rouge! Ouf! C'est bon, je vais bien! On a réussi! Désolée! On peut continuer le test maintenant. Grâce à cette astuce maligne, toutes les réponses sont sous ton nez. Et il ne se doute de rien. C'est un truc de génie, hein? Les cours ne sont plus les mêmes depuis que nous avons tous des smartphones. Demande ce qu'en pensent les profs. Allez, sortons la boîte à téléphone. Je dois le cacher. Vous êtes en train de réviser, mademoiselle? Ah, j'étais sur le point de gagner. Je déteste cet endroit. Comme si ça intéressait quelqu'un à la photosynthèse. Si tu veux continuer à utiliser ton téléphone, il faut se montrer super malin. La réponse était sous mes yeux depuis le début. Retourne ton téléphone face en bas et fais une ligne de colle chaude. Étale-la bien jusqu'en bas. Ensuite, colle un crayon de couleur par-dessus. Parfait! Maintenant, recommence avec d'autres crayons. C'est plutôt cool, non? Maintenant, je peux faire des selfies quand je veux, sans risquer de me faire prendre mon téléphone. Ce ne sont que des crayons de couleur. Quel idiot! Cette astuce est trop géniale! Sophia, j'ai amené nos chocolats préférés! Ça a des avantages d'être ta voisine de classe. Je ferais mieux de sortir mes affaires. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant aujourd'hui. Avant ça, j'ai vraiment besoin de sucre pour réussir à me concentrer. Merci beaucoup! Ces emballages sont durs à ouvrir! Allez! On dirait qu'il est enfermé à l'intérieur. Et un beau jour, la Pangée s'est divisée en... Sérieusement? Les règles, ça ne vous dit rien, les jeunes! Oh mon Dieu! Reste cool! Fais semblant d'écouter! Qu'est-ce qui se passe par ici? Des chocolats, hein? Elle ne peut pas les prendre comme ça! Je te jure que mon cœur s'est arrêté! Où j'en étais? Les adultes sont trop injustes! Ce baume à lèvres a la forme de mon chocolat! Il faut la même taille! Fais-moi voir ça! D'abord, ouvre le baume à lèvres.
Retire le baume à l'aide d'une cuillère. Une fois enlevé, tu peux mettre le chocolat dedans. Il est parfaitement caché, tu vois? Pourquoi je n'y ai pas pensé? Waouh! C'est ingénieux! Trop bon! Toi, tu as refait ma journée! Comme je disais! C'est l'heure de faire une pause! Quelle hypocrite! La fête hier soir, c'était dingue! Oh non! L'examen! En combien de temps on peut préparer nos antisèches? Qu'est-ce que vous faites? Ah! Vous avez oublié que c'était le jour de l'examen, pas vrai? Bonne chance! Il va falloir faire avec! Le sort en est jeté désormais! Aïe! Ce type a l'air strict! C'est dur! Ouais! Je l'ai trouvé! Pourquoi j'ai écrit ça aussi petit? Le professeur a lu ça? C'était moins une! Vous n'êtes pas en train de trafiquer quelque chose, n'est-ce pas? Cache tes antisèches, il arrive! Je n'ai jamais été aussi stressée de ma vie! Tu n'as pas quelque chose à me donner? Oh non, ça craint! Ah ouais, j'ai ça aussi! Soyez gentil avec moi, monsieur! Juste une jolie fille qui fait de son mieux! Thomas! Ok, prenez tout! Vous me décevez tous les deux. Ça fait mal. Vous aurez de la chance si vous réussissez l'examen. Mais pourquoi ne pas essayer de deviner pour l'instant? Il ne regarde plus, n'est-ce pas? Il faut que j'ajuste ce truc. Chaque réponse est un doux son dans mon oreille. Ou plutôt, la douce voix de Betty. Au moins, quelqu'un va réussir cet examen. Oh! Le cours commence! Où est ma chaise? La voilà, madame! Oh! Eh bien, merci. Faisons quelques corrections. Mais où est mon stylo? Voilà! Vous pouvez écrire maintenant. Oh! Merci. Ce chiffon n'efface plus rien du tout. Voici de l'eau pour le mouiller. Ça effacera mieux. Et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Oh, son téléphone! Non! C'est bon, je l'ai. Oh, merci beaucoup. Je vais le reprendre. Mais madame, votre téléphone est trop glissant. Ça pourrait se reproduire. Je peux faire quelque chose pour ça? Laissez-moi faire. Je vais utiliser mon stylo 3D pour dessiner sur la coque. Je vais complètement la recouvrir, de haut en bas. Et n'oublions pas les côtés, car les bords sont glissants aussi. Et voilà, tout est recouvert. Regardez, c'est une toute nouvelle coque. Oh mon Dieu! Merci beaucoup! Oh, excusez-moi, j'ai un appel. Ah, j'adore les jours d'examen. Stop! Vous cachez des antisèches là-dedans? Oh, comment a-t-il fait pour savoir? Au revoir, les réponses. Vous auriez mieux fait de réviser. Bon courage! Ces enfants sont tous les mêmes. Bonjour! Mon cahier? Il n'y a rien du tout dedans. Très bien, Lily. Allez vous asseoir. J'avais vraiment besoin de ces réponses. Il ne regarde pas?
On dirait que le prof s'est montré moins malin que moi cette fois, parce que mon anti-sèche a réussi à passer. Hé, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ma règle ne m'aide aucune aide. Lily! Psst, tu me la prêtes? Chut! Il suffit de l'ouvrir en deux, tu vois. Pour ça, tu auras besoin de deux règles. Prends ton anti-sèche et colle du scotch double face derrière. Retire le film et colle-la entre deux règles. Fais attention à ce que le milieu soit bien entre les deux règles. Il ne te restera qu'à la plier comme ceci. Merci! J'ai fini, monsieur! Oui, on a enfin une pause. Et ça ne veut dire qu'une chose. Je vais pouvoir manger mes restes. J'ai fait la plus délicieuse des soupes hier soir. Une seule bouchée et on tombe sous le charme. Oh oui, c'est exactement ça. La cuillère est quelque part par là. Une fourchette. Je ne peux pas manger ma soupe avec ce truc. J'aurais juré avoir pris une cuillère. Rien ? Je suppose que personne ne va manger de soupe aujourd'hui. Au moins, j'ai un peu de jus. J'en ai plus non plus. Ce déjeuner est en train de se transformer en fiasco. Cette tasse est en carton, n'est-ce pas? Et j'ai une fourchette. Tu as besoin d'une cuillère? Coupe le fond d'un gobelet en carton. Puis plante une fourchette dans le côté. Continue jusqu'au fond. Et grâce à ça, nous voilà à nouveau dans la délicieuse soupe. Ah! Ce truc est vraiment trop bon! Il s'avère que je suis un génie en classe. Mais aussi en cuisine. Bon, sortez vos livres! C'est trop amusant à l'école! C'est si ennuyant! Bon, les enfants, écoutez bien! Le test d'aujourd'hui porte sur le mot zèbre! Je veux que vous l'écriviez 20 fois, d'accord? Voici vos feuilles de test! Madame, madame! Je sais comment écrire le mot zèbre! Tiens! J'ai envie de voir qui est la plus rapide! Moi! Moi! J'adore les tests! Z-E-B-R-E, zèbre! Je me demande sur quoi portera le prochain test? Z. Et ensuite, c'est compliqué! Tu es si lente! C'est trop difficile! Je pense que c'est mauvais! Je vais prendre mon temps! Cette pomme a l'air succulente! Je ne peux pas le faire! Oh! Ça va faciliter les choses. Peut-être que si j'utilise ces stylos et du panier collant... Ouais, ça va le faire. Prends une bande de ruban adhésif. Place les stylos le long du ruban. Comme ça, replie le ruban pour que les stylos restent en place. Ajoute du papier collant à l'autre extrémité. Maintenant, je peux écrire bien plus vite. Ça fait gagner beaucoup de temps. J'ai presque fini. Cette pomme est très croquante. Comment ça va, ringarde? Non, c'est pas juste! Pourquoi je mange cette délicieuse pomme? Vite, zèbre, écris! Je pense que j'ai fini. Madame, regardez, je l'ai fait. J'ai fini en premier. Bon, tu es très douée. Beau travail. Mais je suis plus rapide. C'est pas juste. Tu peux récupérer tes stylos maintenant. C'est ce qui rendrait le cours plus intéressant. Hé! Hey, tu en veux? Le prof ne s'en rendra même pas compte. Il parle vraiment beaucoup. Excusez-moi! Il arrive? Reste naturel! Bonjour, monsieur! Non, s'il vous plaît, pas mes bonbons! Quel crétin! Pas de panique. Sophia? Tu ne veux pas prendre le risque. Sophia!
Je suis sérieuse, je ne veux pas de problème. Bon, ça en fera plus pour moi. Je ferais mieux de me concentrer. Attends une minute. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? J'ai une idée géniale. Prends un pot à crayon comme ça. Puis trace le fond du pot. Ensuite, tu peux découper le cercle. Dépose de la colle chaude au milieu du disque. Un schéma en zigzag permettra une bonne accroche. Ensuite, colle tes crayons, lamine vers le haut. Parfait. Maintenant, le pot à crayon. Une fois tes bonbons à l'intérieur, on repose les crayons dessus. Et voilà! Tu veux prendre le premier? Mes préférés sont les bleus! Recouvre-les avant que le prof ne les voie. On sait être vicieuse. C'est l'heure du deuxième tour.